Désolée pour le petit bruit de fond, c'est ma machine à laver. Pourtant elle n'est pas très vieille, hein, mais je sais pas, quand elle prend l'eau, on l'entend. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez un peu de soleil, pas trop, juste ce qu'il faut. Nous ça va, deux jours, le soleil est revenu, parce que c'est vrai que, enfin dans le nord, quand la pluie arrive, on se demande toujours si elle va rester ou pas. Et là ça va, hein, il fait bon, on a un petit vent... Juste ce qu'il faut, bah oui c'est des clichés mais bon. Alors on est quel jour aujourd'hui? Non c'est vrai, quand il a plu elle arrive on sait jamais, il pleut pas, enfin il pleut pas tant qu'on le dit. Mais quand c'est là, franchement il y a des moments quand le temps gris est là, comme on n'a pas beaucoup de vent, et ben les nuages ont tendance à avoir du mal et à s'incruster. Alors aujourd'hui on est mardi 30 et il est tard, il est 11h. Presque 11h20. J'ai un petit peu traînaillé ce matin en pyjama, donc du coup j'ai pas pris la caméra. Je viens de finir mon sport, je viens de finir de m'habiller, j'ai bien souffert. C'est dur le faire du sport en été. Il faut... Alors je mets le ventilo, j'ouvre toutes les fenêtres, mais bon malgré ça, voilà, vous sortez, vous êtes dégoulinante. Alors, chérie est en train de bricoler un petit peu sur l'extérieur. Il est en train de faire des petites... Voilà, il continue un petit peu les travaux, voilà, les finitions des travaux qu'on avait commencé l'année dernière. Il est en train de mettre une gouttière, etc. Et moi là je vais attaquer en cuisine parce que j'ai une pâte feuilletée à faire pour ce midi. Parce que ce midi le repas c'est tarte à la courgette, donc avec une pâte feuilletée qu'on va faire ensemble avec du petit suisse, donc avec moins de beurre à l'intérieur. Et en plus il n'y a pas cette histoire de pliage dedans, voilà, de tour, de trucs. Donc elle sera beaucoup plus simple. Le feuilleté est moins gros, moins flagrant, mais on a quand même une pâte qui est bien feuilletée quand même. Avec un yaourt en dessert, et ce soir c'est un curry de lentilles au poivron avec du skyr maison et une compotée de prunes. J'ai lancé mon skyr ce matin, j'ai lancé mon four aussi, je vais faire mon pain, je vais faire cuire mon pain que j'ai fait hier, et puis on va attaquer du coup la pâte feuilletée pour ce midi. Au programme aujourd'hui, je pense qu'il n'y a trop rien. Chérie va bricoler. Je vais juste aller jusqu'à Leclerc de ma ville pour de la pâtée pour Luna. Enfin, c'est pas de la pâtée. On a acheté dernier retour de course, on avait acheté les sachets de soupe pour chat. Et elle les adore. Je pense qu'on a trouvé. Enfin, jusqu'au moment où elle se lasse. Mais là, franchement, elle mange tout. On avait acheté cela et des Purina One, je sais plus ce que c'était qu'on avait pris. Et elle préfère largement les soupes. Les Purina, en fait, elle me les laisse là. Non, en fait, on est obligé de jeter la moitié du sachet parce que ben, ça reste tout. On lui donne un sachet le soir. Dans la journée, sûrement, c'est des croquettes. Mais le matin, ben, c'est tout séché et tout. Donc, on est obligé de le jeter parce que de toute façon, elle ne va pas aller le manger. Donc, voilà. Donc du coup je préfère lui donner des petits sachets de soupe, au moins je suis sûre qu'elle les mange. Après je sais pas si c'est très bon, après je... enfin voilà, c'est beaucoup de jus en fait dedans, il n'y a pas beaucoup de morceaux dedans de viande quoi en fait. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est l'été que du coup ça la désaltère en même temps, le fait que ça vient du frigo c'est un peu frais, voilà, mais en tout cas ça lui plaît donc tant mieux. Allez, on va attaquer cette pâte feuilletée. Alors pour la pâte feuilletée au petit suisse c'est assez simple, on fait tout au robot. Donc avec un robot muni d'une lame en S. Là j'ai mis, je vais voir, je vais essayer de faire deux tartes si c'est possible avec ce que j'ai mis dedans. On verra ce que ça donne. Mais là en quantité j'ai 240 g de farine, donc c'est de la farine blanche, la farine lambda. C'est de la T45 même, c'est de la fluide. Pour la pâte feuilletée, pour avoir un beau feuilletage, il faut vraiment une farine qui est très très fine. Ensuite j'ai mis 4 petits suisses, donc c'est pas des petits suisses allégés, hein, c'est des petits suisses, donc là c'est des 3,6%, non, ça vient de Belgique, je pense que ça doit être les 30% en France. Et puis une pincée de sel et on va rajouter de la matière grasse. Alors vous pouvez mettre du beurre si vous voulez, moi je vais mettre de la margarine, donc la Saint-Hubert Oméga 3.
je vais mettre 120 grammes de beurre. Mais je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Donc je vais mettre, alors là ma margarine, ce que j'ai fait c'est que je l'ai coupée en petits morceaux et je l'ai mis au congélateur parce qu'il faut vraiment avoir une matière grasse qui est bien bien froide, c'est ce qui va nous faire notre feuilletage. Donc je vais la sortir du congélateur, je vais la mettre dans le robot et je vais mettre à mixer jusqu'à ce qu'on obtienne un peu comme une pâte un petit peu sableuse. Voilà, on cherche pas à savoir à trop mixer. Il faut qu'on voit encore les différents petits morceaux de beurre, de pâte, c'est ce qui va faire après le feuilletage, donc il faut vraiment pas trop mixer. On mixe par à coup jusqu'à ce qu'on a un petit un sablage. Là j'ai voyez, j'ai pas une pâte, ça fait granuleux, hein. Et hop, on va tout mettre sur un plateau et on va tout rassembler en une belle boule. Alors une fois que c'est rassemblé en une boule, vous allez voir dans la pâte, il y a des côtés plus clairs, des côtés plus sombres. En fait c'est là où on voit encore les petits morceaux de beurre dedans. On va commencer du coup à faire ce qu'on appelle le tourage. Alors vous allez voir là c'est assez simple, on fait juste 3 tours. Donc déjà on va l'étaler pour faire un rectangle. Et on va commencer du coup à plier. On enlève le surplus de farine à chaque fois. Alors là, ça va nous aider en plus à faire un beau rectangle. Alors là, je ne les compte pas en tours. Hein. C'est juste pour m'aider pour faire un beau rectangle. Alors là moi comme il fait chaud, je pense qu'entre les tours, je vais la mettre un peu au congélateur pour la raffermir, pour raffermir le beurre. Mais logiquement s'il ne fait pas trop chaud chez vous, ça va, hein, vous pouvez faire directement les 3 tours. Alors là je vais déjà en faire un, donc on étale. Oups. Plus ou moins. Et on vient plier l'un sur l'autre. Hop. Et là, du coup, j'ai un tour. J'ai fait un petit trou juste pour me rappeler que j'ai fait un tour. Et là, je vais la mettre au congélateur. Comme je vous dis, moi, il fait chaud, donc le beurre est de la... Enfin, en plus, c'est pas du beurre, c'est de la margarine, donc ça fond encore plus vite. Donc, juste pour la raffermir un petit peu, je vais la mettre 10-15 minutes au congélateur. Et ensuite, je vais faire un deuxième tour. Alors on y va pour le deuxième tour du coup maintenant. Ma pâte s'est raffermie un petit peu. Alors je mets le... Enfin je vais rouler de l'autre côté du pliage. Vous voyez là le pliage est ici. Donc là je vais rouler dans ce sens là. Dans le sens inverse. Alors à chaque fois on met bien de la farine sur son rouleau pour éviter que ça colle. Et on replie du coup en 3. Et là, on en a fait 2. Et elle va retourner du coup. Alors moi je fais avec mes... Parce que autrement j'ai mes ongles et ça fait des trous dans la pâte. Voilà. Et là je remets un petit peu au congélateur pour faire le dernier tour. Alors en attendant que ma pâte est en train de refroidir, on est en train de préparer l'appareil qu'on va mettre à l'intérieur. Alors vous allez voir, je vais mettre juste une fine couche dans le fond de ma pâte en fait. Je vais faire un appareil aux chèvres. J'étais en train de dire oui à Stécie pour le sel. Alors en fait j'ai mis 90 grammes à peu près, enfin moi là c'est ce qui me restait, donc vous pouvez aller jusqu'à 100 grammes hein, si vous voulez, de chèvres frais, un œuf entier, de la crème, donc moi c'est la crème de soja, j'ai mis 50 grammes, et sel et du poivre. Et on va rajouter aussi un petit peu de basilic, on va mélanger ça. Je veux quand même quelque chose d'assez épais pour napper le fond de ma tarte en fait, et pour pouvoir mettre ensuite mes courgettes sur le dessus. Alors je
vais faire mon troisième tour de pâte pendant que Stacy mélange l'œuf et la crème et le chèvre. Donc comme tout à l'heure, on dans le sens inverse, on étale. Alors on voit que ça vient de plus en plus facile à étaler au fur et à mesure. Le beurre s'incorpore, enfin la margarine s'incorpore à l'intérieur. Donc ça déborde plus. Hop. Et là, j'ai mon troisième tour. Alors, à vous de voir. Soit vous pouvez continuer, soit vous pouvez arrêter là. Au plus vous allez faire de tours, au plus vous allez avoir une pâte feuilletée. Après, il faut celle-là avec le petit suisse, comme il y a moins de beurre, il y a moins de feuilletage. Enfin voilà, c'est pas encore la même phase, la même technique que l'autre. L'autre est beaucoup plus compliqué parce que là, il faut mettre la plaque de beurre. Enfin, je suppose que vous savez. Oui, donc je disais, en fait, la plaque de beurre, elle est emprisonnée dans la pâte et il faut étaler à chaque fois en faisant des tours et un pliage qui est quand même assez voilà, fastidieux. Donc souvent, c'est vrai qu'on a tendance à acheter la pâte toute faite parce que c'est beaucoup plus simple. Là, c'est une façon de faire, d'alléger, et en plus, c'est plus rapide. Voilà, je vais la remettre un petit peu au... Je sais pas combien il fait aujourd'hui, mais il fait déjà bien chaud, je trouve. Je la mets au congélateur. Alors, je vais couper ma pâte en deux pour faire deux tartes. Et on va pouvoir commencer à l'étaler. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais on voit un petit peu le feuilletage. Ça fait tout des marques, en fait, tous des petits traits. Je sais pas si on le voit à la caméra. Vous voyez déjà là, on le voit un petit peu. Hop, alors j'ai pris une partie, l'autre partie je la mets au congélateur parce qu'avec le four qui va plus la chaleur. Et du coup, on commence à étaler comme une pâte lambda. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas refaire une boule avec, quoi, en fait, pour garder les couches. Alors j'ai étalé la pâte, hop, assez finement. Et du coup, je vais en garnir un moule à tarte qu'on a beurré un petit peu avant. Une fois étalé, j'ai coupé les morceaux. Alors si vous voulez récupérer les morceaux de pâte, surtout ne faites pas une boule, vous les mettez l'un sur l'autre. Je sais pas si vous voyez, là j'ai récupéré les morceaux de contour, je les mets l'un sur l'autre et hop, voilà, pour garder le feuilletage. Si vous faites une boule, vous allez tout mélanger le beurre. Là, en attendant qu'on la garnisse et que je fasse la deuxième, je vais la remettre au frigo pour qu'elle soit bien fraîche. En étalant les pâtes, il me restait pas mal de chutes. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une tarte individuelle pour moi. Comme ça, je sais exactement ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors c'est une tarte quand même d'un beau calibre, hein, vous voyez, par rapport à ma main. J'ai mis à peu près 80 g de pâte en tout, de pâte feuilletée. Donc en fait, sur le bloc, et je suis faire deux tartes plus une petite. Alors maintenant on va garnir. Alors ça va être très simple, hein. On va mettre la garniture qu'on a mis dans le fond et mettre les courgettes tout autour en rosace. Alors, on prend la crème, on en garnit le fond des tartes. Hop, tiens chérie. Alors moi j'ai mis à peu près 30 g dans la mienne, c'est vraiment une fine couche, hein, qu'il faut mettre. Donc là je répartis, on étale, comme je vous ai dit, une fine couche. Alors c'est de la crème épaisse, hein, qu'il faut mettre, que j'ai mélangé avec le chèvre. Ah, mon pain est cuit, je vais pouvoir le sortir. Donc une fois que c'est mis, on vient, alors moi j'ai des courgettes de deux couleurs, donc on vient mettre en rosace les courgettes tout autour, en interversant les couleurs. Et en fait, ça donne ça. Là, la mienne, elle est finie. Voilà. Il n'y aura plus qu'à la faire cuire ensuite. On va peut-être mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre sur les courgettes aussi pour la faire pour assaisonner. Voilà ce que ça donne sur les grandes, du coup. Hop. Une belle tarte toute colorée. Alors là, je vais la mettre au frigo. J'ai laissé mon four aller à 180. Je vais attendre qu'il baisse un petit peu en température. Et ensuite, je vais pouvoir les enfourner. Comme je vous l'ai dit, je vais juste mettre un petit peu de sel et un peu de poivre pour assaisonner un petit peu les courgettes aussi. Les tartes sont cuites. Donc, je vais juste les servir avec un petit peu de roquette, du jambon cru et puis un peu de
Salsa, il m'en reste en fait que j'ai fait pour ce samedi pour aller chez ma belle-sœur. Je me dis que ça va être très bon avec le petit goût de tomate et de poivron. Donc voilà, alors là j'ai juste fait une petite déco comme ça pour la photo. Mais on va en rajouter du coup dans notre assiette. Qu'est-ce que ça donne? On voit ce que ça donne la mienne. Hop, j'ai su la démouler en plus. Hop, je vous montrerai l'intérieur. Mais comme je l'ai étalé bien finement, je pense que le feuilleté ne va pas trop se voir. Alors voilà, le feuilletage, l'intérieur de la tarte. Alors on ne voit pas vraiment parce que comme je vous ai dit, je l'ai étalé vraiment finement. Mais bon, on voit un petit peu, hein, ça a gonflé un petit peu. Il est déjà 4h. La journée elle va passer super vite, je trouve. Hein? J'ai l'impression d'avoir rien fait. En fait, quand on traîne comme ça le matin après, j'ai l'impression que de rien faire. Voilà. Bref. Donc là, on est parti. On va aller faire les 2-3 courses. Enfin, c'est vraiment pas grand-chose à Lidl. Enfin, pas Lidl, à Leclerc. C'est la pâtée pour Luna, surtout, qu'il nous faut. Donc, et puis ensuite, on va rentrer. Puis Chérie va finir de poser sa gouttière. Le temps est en train de se couvrir un tout petit peu. Il y a des gros nuages qui arrivent. Mais bon, il fait quand même 27, hein, donc il fait bon. Voilà, juste ce qu'il faut. Juste pour que je sois bien. Pour pas que j'ai froid. Allez, bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde à Leclerc. Mais bon, je pense que là, c'est les vacances. Hein. On va mettre plus de temps, à mon avis, sur la route que dans le magasin. J'ai oublié de vous dire, la tarte elle était très bonne et avec la salsa franchement c'était vraiment un plus, donc je vous le conseille si vous pouvez rajouter de la salsa en plus là avec ça faisait un chaud froid en fait sur la tarte, donc c'était agréable. La pâte elle était juste voilà, elle était bonne, bon pas très feuilletée comme je vous ai dit, je l'avais étalé vachement fin, donc du coup ça a joué aussi, peut-être en l'étalant moins finement pour faire une plus grosse pâte en fait, ça devrait peut-être être voilà, mais du coup ben c'était plus sain on va dire. Allez, on va faire ses courses maintenant. Ça y en est déjà rentré. Alors on n'a pas été pour grand chose hein, comme je vous ai dit, on a juste pris alors il n'y avait pas la marque qu'on avait pris la dernière fois, alors j'espère que celle-là elle va aimer. C'est la marque Sheba. La dernière fois c'était quoi, la marque gourmet hein. Voilà, donc on en a pris deux, donc c'est toujours des soupes, on verra. Et on a pris aussi de la pâtée du coup pour princesse. Donc là c'est de la pédigrée. Ouh là là. Et je me suis pris une prise pour les moustiques. Voilà. Et puis les mouches, parce que là il y en a une dans notre chambre. Là, elle est en train de squatter. Je croyais que c'était un moustique qui faisait bzzz à mon oreille, mais non, c'est une mouche. Et là elle m'énerve là. Parce que le matin c'est elle qui me réveille. Allez. Prendre un café, chérie. Ouais. Ouais. Je suis mort. Fatigué, c'est en vacances, c'est fatigué. Alors, dans mon bol, j'ai un yaourt Alpro à la noix de coco, des abricots. En ce moment, franchement, j'ai du mal. Hein. J'ai mis aussi des céréales, donc c'est les Kellogg's sans sucre ajouté. En fait, c'est à l'abricot, je pense, celle-là. Faut que je les finisse, ça fait un moment qu'elles sont attamées. Ouais, il y a des petits morceaux d'abricots séchés dedans. Et j'ai mis un peu de chips de coco. Voilà. Et je vais sûrement me faire une petite chicorée aussi après.
repas pour ce soir. Enfin, j'ai déjà avancé, hein. J'ai déjà coupé mes légumes. J'ai fait aussi, j'ai égoutté mon skyr pour le dessert de ce soir. J'ai fait ma compotée de prunes aussi. Alors j'ai fait cuire 500 g de prunes coupées en deux, j'ai enlevé juste le noyau. Et j'ai ajouté juste 15 g de sucre de xylitol parce que nos prunes sont déjà assez sucrées. Et pour parfumer un tout petit peu, j'ai ajouté de la fève tonga. Voilà, ça va être notre compote qui va avec notre skyr ce soir. Donc je l'ai fait bien cuire jusqu'à ce que ça soit bien. Je ne vais pas mixer, hein, je vais laisser comme ça, comme une petite compote, voilà, avec des petits morceaux. Et le skyr est au frigo. Alors là, on y va pour le curry de lentilles au poivron. Aïe, mon doigt. Alors, j'ai mis du ghee dans une sauteuse. Alors, vous pouvez mettre autre chose, hein, si vous voulez, du beurre, de l'huile, enfin voilà. Hop, j'ajoute une échalote ou un oignon. Là, moi, j'avais une belle échalote, donc du coup, je m'en suis servie. On va commencer à la faire dorer. Alors là, je vais ajouter les légumes, donc carottes. J'ai à peu près 2-3 carottes, 2 branches de céleri. Et là, j'ai 3 beaux poivrons. Et on va commencer à faire cuire les légumes. Je vais ajouter une boîte de concassées de tomates. Hop. Je vais mettre la pâte de curry. Alors moi c'est de la pâte de curry rouge, c'est très fort, donc je mets une petite cuillère à café, pas plus parce que ça s'arrache. Là c'est une demi, donc je vais mettre une belle demi. Je vais rajouter donc 250 ml d'eau. Et du bouillon. Alors moi c'est du bouillon en poudre. Donc je vais mettre... Où est-ce qu'elle est ma cuillère à café? Hop, une cuillère à café. Une belle cuillère à café. Je vais mélanger, saler, poivrer. Je vais ajouter les lentilles. Donc j'ai 250 g de lentilles que j'ai rincées. Alors la pâte à curry, je vais peut-être en rajouter après. Hein, mais je vais goûter avant. Je ne veux pas que ce soit trop fort et que ça pique de trop. Et ensuite, on va rajouter aussi du lait de coco. Mais je vais attendre que ça cuise un tout petit peu. D'abord une dizaine de minutes et ensuite je le rajouterai dedans. Je vais mettre un couvercle. Et je vais laisser cuire une dizaine de minutes. Alors là, j'ai un bon 10 minutes de cuisson. Je vais ajouter ma brique de lait de coco. Donc moi, c'est le lait de coco Eco Milt. Hop, je ne sais pas, vous voyez pas. Voilà. Hop. Donc j'ajoute la brique à 200 ml. Et je vais... mélanger et je vais goûter l'assaisonnement pour voir si je rajoute un peu de curry ou pas. Et puis voir au niveau de la cuisson des lentilles s'il ne faut pas rajouter un tout petit peu d'eau. Alors j'ai rajouté un petit peu d'eau mais je n'ai pas rajouté de pâte à curry parce que c'est déjà relevé. Je ne veux pas que ça arrache de trop. Non, je vais remettre le couvercle et laisser cuire encore 10-15 minutes, enfin jusqu'à ce que les lentilles soient cuites. On va passer à table. Voilà ce que ça donne une fois cuit. Alors là, j'ai juste rajouté un petit peu de persil. Et je vais servir ça avec du riz complet cuit. Et pour chérir les enfants, je leur ai fait une saucisse. En plus, une saucisse fumée. Voilà. Tu viens, Stécie, on va manger, chérie. Il est presque 22h. Ah bah il est 22h pile même. On a le vent qui est monté d'un coup. Ouais. Comme si qu'elle allait avoir de l'orage ou quoi, alors qu'ils annoncent pas d'orage. On verra. Bah, du coup, on va zapper le spa ce soir parce que là, franchement, il fait pas très chaud.
On va voir Fred. Puis là, je suis fatiguée. Donc du coup, je vais finir de monter le vlog. Je vais aller prendre une petite douche et je vais vite aller me coucher. Donc je vais vous faire des gros bisous. Le repas était très bon, si vous vous demandez. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain.